Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. L'action Air France KLM perd le contrôle ce lundi matin et dévisse de plus de 4% à 11,52€ dans un marché parisien totalement en berne. Les investisseurs redoutent une nouvelle paralysie du ciel européen en raison des cendres du volcan islandais Grímsvötn. Entré en éruption ce samedi, le titre fait actuellement figure de plus forte baisse sur le SBF 120. Selon un avis adressé dimanche matin à des compagnies aériennes, le panache de cendres pourrait atteindre l'ouest de la France ainsi que le nord de l'Espagne d'ici jeudi ou vendredi. L'éruption du volcan est beaucoup plus violente que celle de l'Eyjafjall, un autre volcan islandais faisant craindre de plus belle de graves perturbations dans le transport aérien dans les jours à venir. En avril 2010, ce volcan déjà avait provoqué la plus grande fermeture de l'espace aérien décrété en Europe en temps de paix et avait coûté la bagatelle de 35 millions d'euros par jour à la compagnie aérienne Air France. Les opérateurs craignent donc un impact financier non négligeable de cette catastrophe naturelle, d'autant plus que la compagnie franco-hollandaise avait annoncé vendredi dernier avoir réussi à renouer avec les bénéfices. Pour rappel, Air France avait publié en fin de semaine dernière un chiffre d'affaires de 23,62 milliards d'euros en croissance de 12,5% pour un résultat d'exploitation de 122 millions d'euros au titre et pour un bénéfice net part du groupe de 613 millions d'euros au titre de son exercice 2010-2011. Voilà ce qu'on voulait dire sur Air France. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.